Eh bien salut à tous, c'est Corrosif. Aujourd'hui on se retrouve sur Karrix Drift Racing Online. Petite subtilité, oui, vous avez vu Karrix Grip Racing Online, parce que tout simplement, oui, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, une vidéo de Grip sur Karrix Drift. Oui, c'est très bizarre de dire ça, parce que c'est un jeu de drift, comme son nom l'indique, et nous allons faire du Grip. Effectivement, c'est possible de faire du Grip sur ce jeu. Donc, comme d'habitude, avec la team PDFR, on va faire complètement l'inverse que ce que pourquoi le jeu est prévu pour. Yes! Je sais qu'il y a quand même une grosse communauté de grip et surtout de drag sur Karrix. Donc voilà, la vidéo est pour vous. On a une petite pensée à vous. Voilà. Et j'ai bien dit la team PDFR parce qu'aujourd'hui je suis pas tout seul. Je suis avec Jordan, Nali et Speeder. Bonjour! Oh ta gueule! Putain, c'est moi, je me suis débuté, t'as dit ça qu'à merde, c'est ça? Bon bah, l'idée du track day, c'est de Jordan et de Speeder. Voilà, vous êtes content, je l'ai dit? Alors déjà, non! Parce que de une, c'est moi qui ai eu l'idée du track day, et de deux, c'est Jordan qui a eu l'idée du titre de ta vidéo. Ah oui, c'est vrai. Bah, hein, et toi, Corrosif, t'as eu quoi comme idée pour cette vidéo? Prendre l'argent des abonnés. Hein, bah, en tout cas, je sais que j'ai eu la mauvaise idée de vous inviter, ça c'est sûr. Ah ouais, donc le mec invite des gens qu'il aime pas dans ses vidéos, quoi. Non mais voilà. Tout ça, mais c'est ça le principe d'un youtubeur, non? La voiture qu'on va prendre, ça va être la petite R33, la Godzilla R3. Comme par hasard, elle s'appelle Godzilla. Du coup, on la met en ultimate? Bah non. Non, non, tu la mets stock. Il y a un truc qui s'appelle Racing, teubé. Justement, je voulais savoir si c'est ultimate ou Racing qu'il faut. Du coup, c'est bon. C'est bon, moi je me casse. C'est bon, le mec. Ah ouais, du coup, allez, elle reste en 4 roues motrices. Enfin, passe en 4 roues motrices, ok, d'accord. Et il veut pas faire un réglage. Tu peux faire un réglage d'abord, nous filer les réglages et te barrer après, s'il te plaît. Le moteur, bah, tu veux pas le régler. Hein, bravo. Mais que. Oh, mais il est bête. Mais oui, on n'a pas forcément besoin de toi, on veut juste t'abandonner une fois que t'as fait le réglage. C'est pas pareil. Donc, t'as besoin de moi, en fait. T'es en train de dire que je suis utile. Oui, mais juste pour ça. Il faut lui répondre pour pas le vexer. Ça va sinon, vous? Ouais. Je vais vous retrouver, les gars. Ouais, bah oui. Je veux mon adresse. Ah bon? Je vais te retrouver, Jordan. Oh, je te la donne si tu veux. Moi, je vais prendre le kit missile. Incroyable. Allô? Non, non, Karrix. Ah. Ah, putain, merde. Merde. Ah, c'est bon, moi je me casse la vidéo. Ça me casse les couilles. Allez, moi je me casse. Il me désespère. Il me désespère. Qu'est-ce qui se passe? Cool. Oh, dommage. Ah, oh, ça fait place de moto. Mais Speeder, reviens. On a besoin de toi pour le réglage. Je sais pas comment. Je sais pas en combien de pouces je mets la caisse, mais je vais mettre en. Hein? En pouce, pas poule. Ah, bah, c'est pareil. Reviens, mais c'est vraiment parce que. T'as un réglage à faire, hein. Oui, t'as un réglage à faire, pars après si tu veux, mais. Quoi? Hein? Allô? Non, vu que c'est une voiture de course, je mets les pneus custom. J'étais online et tout, tu as vu? J'sais pas. Oh, tu me s'énerves, hein. Ah ouais, moi je te. Oui, tu me. Tu me s'énerves! Moi je te s'énerve. Oh bah oui! Oui, tu me s'énerves. Genre, moi tu me s'énerves. Rends-toi utile là! C'est quoi les réglages? T'es en train de me dire que toi tu me s'énerves là. C'est quoi? Donne les réglages! Oh! Genre, toi tu me s'énerves. Je t'ai pas invité. Mais je t'ai pas invité pour parler. Donne les réglages. Non, mais y'a littéralement pas besoin de réglages en fait, les gars. C'est vrai? D'accord. Bah. Tu la mets en hauteur ou je sais pas quoi pour ta bagnole, tu mets les pneus à fond en grippe et c'est tout. T'as rien d'autre à faire. Ah, donc il y a bien quelque chose. Oh là là, mais putain. Je vais la tester. Si c'est pas bien, voilà, je te bute. Largeur des pneus à fond, non? Histoire d'avoir le plus de grippe possible. Je sais pas quoi te dire, moi après t'es teubé. Oh, c'est pas gentil. Mais genre, tu peux changer la couleur des autocollants sur les pneus. On attend qu'on rebite. Attends, je fais une auto de qualité. On va le niquer, hein, les gars. Bon, tu te mènes le cul là. Attends, je fais mon squishy. Ouais, je vais le frapper. Je fais pas autre chose, hein. Arrêtez de me dire ça, genre, ouais. Je fais que le squishy. Hein. Surtout qu'au final, sa voiture elle va être dégueulasse. Bah oui, voilà, j'ai fini. Pas plus tard. Ah bah, il est 22h.
Hey, oh, oh. Bon, voilà dans les stands, incroyable. On est sur la ligne de départ. Hein. Depuis à peu près 45 minutes. Quand même qu'on J'ai eu le temps d'être exclu. Ah, c'est dans le sens. Bonjour. Faites voir vos merdes là. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Ouais, pas belle. Oh, elle est dégueulasse. Dis ça alors qu'il a mis les. Quoi? Comment ça que t'as mis les phares en blanc derrière comme ça, toi? Je trouve pas, moi. Mais c'est pas beau. Mais non, c'est pas beau. Les... On dirait une Chevrolet Colt. Mais c'est une Colt. Ah. Enfin, pas, non, c'est pas une Colt, mais si, c'est une Colt qui ressemble à ça. En vrai, là. Les gars, une GTR, c'est un peu la Clio du Japon, quoi. Fuck, tu vas en frustrer sur PC, c'est certain. 3 Laissez pas le compte à 3. Wow, 3 de 1, mais pas le 3. Hey, il va pousser. Oh, quel connard. Mais c'est... Mais Speeder, t'es vraiment une... Mais je suis trop bas en fait, et Mali, ça vous fait décoller. Ah, fallait la régler la 6ème. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est à cause de ta lead, c'est pas parce que t'es un connard à taper dans les gens. Ah ouais, je suis dans la merde, hein. Là je suis loin derrière vous. Mais si les gens jouaient propre aussi. Ah bah ça. Raté. Oui, bah oui. Drift raté, oui, je suis au courant. Moi j'ai rien fait, c'est ma lip. C'est ma lip. C'est pas RP ça. Attends, mais pourquoi j'ai un gros aileron et je grippe pas? Parce que t'es bête. Ça, pourquoi il manque une R33? Peut-être parce qu'il y en a... Il y en a un qui m'a tapé dedans comme un gros sac et j'ai fait un tout droit dans le premier virage. Ouais, t'es un peu un connard, Jordan. Franchement, t'abuses, mec. C'est pas moi, c'est Nali. Oh putain, Nali, t'abuses. Mais... Ou alors c'est il a cru qu'il y avait une golf. C'est pas moi, c'est le virage. Bref, un moteur. Arrêtez la voiture. Oh, what the f... Ah, what? Quoi? Mais quoi? Busted. 3, 2, 1, c'est parti! Début de la manche 1! Pardon, je. Déformation, Forza. C'est pas le bon jeu, ça. Il m'a repoussé. Qu'est-ce que quoi? Ah là, y'a personne, ouais. Mec, hein! Non, mais c'est... J'ai entendu des genres de bruits de fusil, mec! Mais non, ça venait du jeu, mec! Je crois que c'est les ralentisseurs qui ont fait un bruit chelou quand vous êtes passé dessus. Ils ont fait grrrr, blablabla. Non, ça fait un. Je te jure. Ah c'est moi, j'ai pété, pardon. Ah. C'est quand ta prochaine vidéo? Ah bah, on est en train de la faire, Jordan. Ah merde. Ah c'est vrai. Oui. C'est donc ça. Oui, c'est pour ça que tu es là, Jordan. Ah, je fais des flammes avec ma voiture et tout. Ah, tu as un pop and bang. Pop and bang, mon pote. Oula. What the fuck. Ah, cassé. Toi, à l'aide. Attends, j'arrive, Jordan. Tu es coincé. Je vais t'aider. 1 Ah non. Oh, décevant. Ah, bah c'est quoi l'autre? What the f... Attends. Break test. On fait une saute mouton. Ah oh, merde, je t'ai fait pris de côté là. Et si on faisait la course, mec? Je parie ma carte grise. Mais non, mais. Ah. Il y a plus rien à parier là. Et si Fast and Furious se terminait en 2 secondes? Je parie ma carte grise. Non. Je parie ma carte. 3 Go. 3 Non, mais tu vois, ça se roule bien au final le grip sur Carix. Ah, grip. En volant, c'est ouais. Très... Bon, au volant, ça manque un peu de réglage. Non, en volant, c'est le feu. Pour le grip, c'est le feu. Non, ouais, c'est mieux qu'à cette Corsa en vrai. Ouais. c'est bon. C'est un peu le Assetto Corsa, mais en version simulation. Bah, c'est mieux qu'e-racing et Air Factor et tout ça quand même. Soit un peu. Prenez-en de la graine, les gars. Vous savez qu'il y en a qui vont prendre ça premier degré, hein. Ouais, je sais. Bah, ouais, mais ça te fera des commentaires et donc du référencement. Ouais. Bah, mais ça se passait bien, et forcément, il faut que. A chaque fois, on dit, t'es une grosse merde et tout ça, et forcément, on pousse tout le temps. Nali, Cinématique, je vois les trois voitures. Incroyable. C'est là qu'il faut tourner. Ah oui, c'était là. J'ai tourné, moi.
Putain, mais merde! Ouais, c'est Jordan qui a foutu dehors. Oui, bien sûr! Non, c'est moi en plus. Je nettoyais ma voiture et le coup il est parti tout bon, seul. On a pas vu. Je nettoyais ma voiture. Les gars, 300 km/h sur circuit. Un petit cucu funette là. Ah, le tableau de bord il est sale. 300 km/h, je prends la microfibre et puis c'est bon. Il veut tomber des miettes dans ma chocolatine. Oh, qui c'est qui a mis de la viande dans ma vitelle? Oh, j'entre je veux un nom. Je veux un nom. Ouais, il est à fond, putain, il est tellement bien fait ce public. On dirait le public de Gran Turismo 7. Quoi? J'ai pris une balle perdue. Ouais, je vais me faire insulter encore. Ouais, le petit Camille Road, ouais, j'avoue que ça peut être cool. Ça fait tout gay. Vous vous sentez enragé, mais moi je suis concentré. Je kiffe. Oui, je suis concentré, oui. On revive, c'est un Timothée dans la boue. Bah, ce que je vois pour l'instant, c'est que Timothée est devant vous. Ouais, mais, bon, mais nous, on prend du plaisir à rouler. Toi, c'est extra yardeux. Ah, mais, tout de suite, ça. Oh, les changements de discours. Les grosses connards. Entre nous. Genre, entre nous, t'as toujours été mauvais au jeu, tu vois. Oui. Et là, tu viens. Genre, tu crois qu'en une course, t'es devenu bon? Non, mais bon, pas nous la faire, quoi, Zif. Bah, nous, quand même. Votez dans les commentaires, s'il vous plaît. Tu vas voir ses commentaires, toi. En vue intérieure, tu sens que le volant il est pas prévu pour. Il veut tout le temps contre-braquer, le gars. Quand t'es au volant, non, ça va. Oh, comme on l'entend fort l'admission. Le puits. Ouais, le puits. En vrai, c'est kiffant de ouf. En vrai, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça c'est encore sans mieux. Bah ouais. La prochaine vidéo, on essaie Carix au volant. En plus, on en a tous un ici. En vrai, c'est ouf hein, en vue intérieure. Là, c'est propre. Hein. C'est et t'as tous les mouvements de tête et tout, tu sais, quand tu freines et tout, ça penche en avant. Oula, 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 oula. Il fait virages, des droites gauche quand tu roules en ligne droite en vue intérieure, le gars il fait des grosses droites gauche. Oh, ennui. Ah, on voit rien, c'est la lune quoi. Qui c'est qui attend le soleil là? Alors, c'est toujours pas si terrible. Ouais, là. Mais sur circuit, c'est pas ouf. Mais là c'est vraiment sympa. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il y avait Nelly avant. Le gros connard. Nelly, si tu vois ça, bon, t'aime pas. Quel enfoiré. Mais non. Il sait très bien que je rigole. Ah. De toute façon, il la verra pas, t'as vu. Il rigole que tu l'aimes? Ouais. Non, il la verra pas. Nali, si tu vois cette vidéo, mets fromage en commentaire. Carrick Street, ouais, Carrick Street risque d'être très cool. Je sais pas, ils ont pas annoncé de date ou de période. Alors, il devait sortir en septembre dernier, je crois. Il a été repoussé. Non, en novembre. Il devait sortir en novembre. Il a été repoussé en septembre. Voilà, ce passage là, t'enlèves ma caméra, tu mets de la fonte là. Un phare cassé, Patrick. Ouais. Non, c'est une. Il veut forcément se mettre entre les deux. Passe pas au contrôle technique, ça, monsieur. Et ses jantes là. Non, c'est pas moi le gars. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci à vous, les gars, de m'avoir accompagné sur cette vidéo. C'était vraiment cool. Finalement, on m'avait à peu près converti sur le fait que le grip peut être cool sur Carrick, quand même. J'avoue. Ouais, on l'a eu. J'étais un peu sceptique du sens où. Mais c'est marqué drift, c'est pas pour faire du grip. Oui, j'étais très aigri. Je commence à être vieux, c'est normal. T'es un gros con. Aussi, oui, ça peut jouer. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Corrosif, salut.